Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Fortnite et on va essayer de s'amuser comme on peut, de tenir le choc, la dragée haute aux super joueurs qui ont tous des tenues de fou à mettre je sais pas combien d'argent dedans. Et puis voilà, on va essayer de faire ce qu'il faut. On va voir. Déjà, il va falloir savoir où est-ce qu'on peut aller. Puis arriver par là. On va essayer d'aller à Lonely Lodge. J'aime bien avec la tour. Régulièrement, il y a des trucs plutôt cool là-bas. On va sauter de suite, je pense. Alors, le risque, bon, c'est que ça fight de suite, mais bon. Si ça doit fight, on tombera, les gars. Hein. Ça fait partie du jeu. Mais ouais, on va essayer d'aller assez vite sur ce tour. Est-ce qu'on va se faire redoubler? On a déjà perdu un peu trop d'altitude. Je suis en train de calculer, je vais le sortir, mais je le sors un peu tard, le parachute. On va quand même essayer d'y aller. On va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller. On espère qu'on n'y va pas pour rien. Ça, j'en suis pas certain. Oh! Voilà, c'est dommage. Bon, s'il y a quelqu'un qui arrive dedans, s'il y a quelqu'un qui arrive d'en haut, au pire, on a ça. Ah oui, j'adore. Il y a des lags ou j'ai rêvé? Ou c'est peut-être moi, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Monsieur, je crois qu'il y a un coffre là. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait qui que ce soit. On a un coffre, on a un coffre, on va aller se le chercher, ne vous inquiétez pas les gars. Caisse de munitions. Alors je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait quelqu'un dans la maison là-bas. On verra. Déjà, récupérer des trucs là. Voilà. Ah oui, on a un lance-patate, mais je ne sais absolument pas m'en servir. On est relativement loin de la zone, j'aimerais bien aller visiter au moins. Voir vite fait la maison là-bas. Ouais, on n'a pas, je suis pas fan de nos armes. Alors ouais, peut-être le lance-patate, il y en a, ils savent bien l'utiliser, c'est pas mon cas. On va pas se le cacher, ce n'est absolument pas mon cas. Alors si, il y a quelqu'un là. Il nous a vu ou pas? J'ai pas l'impression qu'il nous ait vu. Si il nous a vu, il est déjà en train de construire. Non. Oh là 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 là. On a eu trop mal. Mais on a survécu. J'étais concentré. Désolé, je parlais plus trop. On a eu la potion. Il nous avait vu, hein, je pense, parce qu'il buildait des murs comme ça, etc. Mais il voulait trop choper quelque chose d'intéressant avant. Une aire bleue, c'est intéressant. On y allait aux pompes. Je n'ai pas essayé. Le lance-patate, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Mais alors vite. Ah, ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile parce que là, on va être à... Bon, on va être comme si on était à 125 en fait, en quelque sorte. On va voir, il y a peut-être d'autres trucs là-bas. On va essayer de récupérer. On va se mettre au max, hein, même si c'est utiliser un bandage pour juste 4, mais bon. On sait jamais. Voilà. C'était tendu, on a réussi à fight, je sais pas. Je sais pas s'il avait pas déjà des potions, j'en sais rien. C'est qu'on ait survécu. Ah, il y a une autre potion là, vous voyez, on l'a vu, on l'a perçu. Ouais, mais il va falloir vite tracer, hein, parce que là on est vraiment, on n'est pas du tout sac plein. Vite, là on aura de quoi un peu se tenir. Une aire bleue, bon, si on était un bon joueur ça irait, ça serait pas trop mal. Ah, il avait fouillé, il l'avait pas vu peut-être cette bleue. Mais il l'avait fouillé déjà cet endroit, donc on peut y aller. Alors on a un peu de temps, il n'y a pas besoin de se précipiter à fond. C'est quoi? C'est une autre potion bleue. On ne sait jamais, si on survit, si on survit à un fight, il y a peu de chance. Et si on survit à un autre fight, etc. Ça peut nous servir. On entend même un coffre. Mais j'ai vu dans tous les cas la potion bleue.
Les grenades, je sais pas m'en servir, donc je vais les laisser et voyons voir. Après on va y aller. Qu'est-ce que c'est que cette arme? On laisse le pompe, on a ça. Allez. Une autre. Ah voyons. Bon, on est déjà à 100. Je sais pas. Est-ce que ça c'est plus important? Je pense pas. On va prendre ça. Je sais pas si mes choix de d'armes que je conserve, etc. Sont les bonnes. Mais avoir des potions, ça peut être cool quand même. Allez, là maintenant, faut courir. On est déjà plus que 30. Il y en a qui ont fait des massacres. Nous, on a eu un kill très très limite. Hein. Il nous restait plus beaucoup de PV. Hein. Il était pas loin de nous avoir, hein, le bonhomme, quand même. Donc, voilà. Faut se méfier. Se méfier de tout le monde. C'est le principe du jeu. On va récupérer juste ça comme moi et après on va courir à fond. Allez. Le truc c'est qu'on est obligé de faire du travers. Parce que la pente est sèche. Ah, Carthiden a fait une chute fatale, d'accord. Ok, et voilà. Je vais être prêt à faire un mur si besoin. Après il y en a, ils aiment bien plus en fait, ils sont plus sur les escaliers et hop, ils vont essayer de prendre de l'altitude très vite. Je vais essayer d'apprendre ça plutôt que faire des murs, c'est vrai. On va plus. C'est vraiment, voilà, je suis vraiment noob sur le jeu me plaît beaucoup, mais je suis débutant, donc voilà, un peu d'indulgence les gars, le principe c'est de rigoler ensemble, plus que de voir du gros gameplay du très bon joueur, ce que vous pouvez rechercher, mais pas sur mes vidéos, ouais, je vais être honnête. Hein. Sur les jeux de rugby, je tâte un peu, ça va, sur Overwatch, je suis pas trop mauvais, je commence à savoir pas trop mal jouer, sur Fortnite, ouïouïouï, ouïouïouï, mais bon... Essayer de survivre. Ça a été ouvert et il a laissé quoi? C'est vert comme ça. Pistolet mitrailleur tactique. Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un système de classement. En fait, au final, j'accroche plus que H1Z1 parce que je trouve que bah, le fait qu'il y ait plus de joueurs, il y a des gens qui sont à notre portée, qui sont pas forcément tous meilleurs que nous, quoi, que moi. Alors que sur H1Z1, il reste que les meilleurs joueurs, donc c'est un des trucs qui m'a un peu saoulé, c'est que c'est trop dur en fait. C'est trop dur. Mais il y a eu des constructions partout là. Ça craint quand même un peu du boudin. Pas se le cacher. On n'est pas très discret. Mais on court vers la zone. On court vers la zone. Ouais, donc j'ai rien qu'un système de classement. Vous voyez que vous soyez récompensé si vous si vous faites des bonnes places, si vous arrivez dans les. Là, c'est. Bah, un système de ranked un peu comme, bah, comme ils ont mis sur H1Z1 et qu'il y a, vous voyez, vous commencez bronze, puis silver. Oh, oh là là. Oh le mec il campe là, il voilà. Il nous a tombé très vite. Après on n'avait pas des tonnes de PV mais il va pouvoir lui récupérer beaucoup de. Il va pouvoir récupérer beaucoup de potions. Ah on finit pas bien, ça m'énerve, mais bon. Regardez, il a tout ce qu'il faut. Après, là, vous voyez, là, ça aurait été mieux d'être prêt à faire un mur. Parce que le mec, il était en hauteur et il attendait que ça. Alors, je sais pas avec quoi il nous a tombé si vite. Oh, il est en train de se faire tirer dessus. Aïe, aïe, on va voir. Il y a le mec, il est en train de... Ouais, bien joué. Il faut que t'ailles récupérer notre potion, là-bas. Là, il va récupérer toutes nos potions. Il va se retrouver à 100. Hein. Parce que nous, on était à 175 et il nous a tombé très vite. Enfin voilà, écoutez, c'était une petite game. Pour l'instant, on galère un peu, mais on va essayer de progresser à force. À force, ça devrait le faire. Allez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. Mais là, il nous a surpris. Vraiment, il nous a surpris l'adversaire. Oh ! Hein ? Il est arrivé de où ? D'en haut ? Il y a des trucs, des fois, tu comprends pas. Franchement, là. Ah ouais, il est arrivé d'en haut. C'est lui qui a construit ça, là. Le mec il était comme nous mais il s'est fait piéger dans le même style, j'étais en mode et puis boum. Ah c'est terrible ça, tu es un peu nonchalant et tu le regrettes très vite. Bon allez, on se quitte là, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, bye bye.